Bienvenue sur BNews USA. BNews. Le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des Bayous Louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression Cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière à Sibi. BNews USA, épisode 276. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. J'ai du mal parce que 276, ça commence à faire. Oui, bien sûr. Ça commence à faire virelangue. Absolument. Monsieur Stéphane. Oui. Je crois que je vais faire mon coming out. Oh. Oui. Allez-y, Jean. Je crois que je commence à aimer les bières sour. Oh. Oui. Et pourquoi cela? Ben, je sais pas. J'ai déjà fini les 3 sips de chez Parrish qui me restaient dans mon frigo. Faut dire qu'elle était bonne. C'est vrai. Mm-hmm. Donc, alors, est-ce que c'est la magie des sips ou est-ce que je commence à aimer les bières acidulées? Mm-hmm. Est-ce que c'était mon marchepied pour les bières acidulées? Maintenant, je vais aimer ça. Je ne sais pas. Ouais, peut-être la saison aussi. Ah, peut-être. Et voilà. Peut-être. Mm-hmm. Mmh. Je ne sais pas. Alors, donc, réponse au prochain épisode. C'est tout. Moi, j'ai que ça en intro. Voilà. Et vous? Moi, le Père Noël, je ne sais pas ce qu'il fait. Il est bourré ou quoi? Comment? Il m'a acheté un aspirateur. J'en avais un plus puissant, plus intéressant et plus moderne. Il t'a acheté un aspirateur? Ah oui, il a frappé à ma porte. Il m'a amené un nouvel aspirateur. J'en avais un qui était mieux. Il est nul. Mais pourquoi il fait ça? Il ne pourrait pas bosser un peu quand même? Il a dû se tromper de maison. Un sacré Père Noël. Bonne année, au fait. Oui, voilà, bonne année. voilà, Père Noël. Buc-ee's. Donc, c'est des stations-service voilà, texanes. Un gros article dans le journal local, tu oui. vois. Alors, moi, j'essaie de décoder un petit peu. J'étais chez mes voisins, là, tout ça. Je me suis dit, mais où est-ce qu'ils le montent? Où est-ce qu'ils le font? Où est-ce qu'ils le font? Comment ça, un Buc-ee's en Louisiane? Ben oui, oui, bien sûr, un grand article. Oui, oui, oui. C'est prévu, j'en avais déjà parlé. Et donc, ils se sont étendus dans 6 ou 7 États dans le Sud. Et là, oui. Il n'y en a pas en Louisiane. Donc là, ils ont décidé d'en faire en Louisiane. On les explique qu'il va y avoir des hôtels. Il va y avoir tout. Des hôtels? Ah oui, 4 hôtels, les trucs. Quoi? Mais c'est un gros truc, là. Mais c'est Disney World. Mais je ne sais pas où. Là, je cherchais en vain. Puis à un moment donné, ils ont balancé un truc au bord de l'highway. Je ne sais pas trop quoi. J'ai dit, mais c'est où? Ça, j'en sais rien. Mm-hmm. C'est Baton Rouge, c'est New Orleans. C'est... Voilà, donc oui, c'est confirmé. Alors voilà, ils expliquaient. C'est l'art de faire des articles comme ça, tu vas te payer à la ligne, là, tu sais. Oui, c'est-à-dire, ils te disent rien, mais ils vont te le dire quand même. Voilà, c'est Coluche qui disait ça, ils ne savent rien, mais ils vont te le dire quand même. Voilà, c'est-à-dire un long article sur, ah ben oui, cette marque mythique, voilà, nanana. C'est presque écrit par ChatGPT, c'est ça. Voilà, c'est ça, et moi, je lisais en diagonale, je disais, oui, mais où? Oui, mais où? Il va te le dire, il va te le dire, et non. Donc, t'as un truc, voilà, vague, là, qui voilà, donc tu sais pas. Donc, bon, quelque part, en Louisiane. Eh ben on vous tiendra aussi au courant. Voilà, donc, c'est pas avant 2025, quand même. Ah, bon, ça ouais. sorte de terre. Mais quand ils arrivent, c'est pas qu'une station-service. C'est, voilà, c'est fou, ça. Un gros truc, quoi. Eh ben. Ouais. Bon, ben, reste à savoir si c'est près de chez nous. Ouais. Monsieur Stéphane. J'ai des doutes, mais bon. Ce qui est très près de chez nous, en revanche, c'est la bière de la semaine. La bière de la semaine, oui, mais quelle est-elle? Eh ben, on va découvrir ça après oui, le solal. Je ne sais pas laquelle est-elle. Laquelle est-elle? Voilà, est-ce que c'est Papa Noël qui l'a amené? Oui, c'est Papa Noël Boris. Sinon, Papa Noël allemand, il m'a amené une bouteille de vin chaud. Enfin, oui. De vin qui devient chaud, après. Oui, il faut le chauffer quand même. Il faut le chauffer un petit peu. Il n'est pas chaud. Voilà, et un gâteau, voilà, qui était très bon, mais à manger, je dirais, à tempérament, tu vois. Il ne reste pas chaud tout le temps, quoi. Non, il faut le manger à tempérament, parce que c'est assez boitif, quoi, tu vois. Non. Voilà, c'est pas le genre. Quoi. Non. Voilà, bon, le Papa Noël s'est pas trompé sur tout, quand même. Voilà. Bon, j'aimerais bien savoir quel Papa Noël t'a amené à... Un deuxième aspirateur. Un aspirant aspirateur. Bon, on écoute le sonal et on part de la bière de la semaine. Oui. C'est parti. Monsieur Stéphane, après ce sonal, la bière de la semaine oui. qui nous est proposée et offerte par Boris, comme la semaine dernière. Merci Boris. Qui est un auditeur, on le rappelle, français, qui habite au Québec oui. et qui nous avait offert la Heady Topper, qu'on n'a pas trop aimé. Oui, pas du tout même. On n'était pas du tout content de la voir. Non. Bof. Deux. Voilà, deux. Pour la canette. Ouais. Je l'ai gardé quand même. Tu l'as gardé quand même. Bizarre. Si, ne la jette pas, si tu veux la jeter, tu me la donnes. Voilà. Bon.
Oui, donc vous vous souvenez de l'épisode de la semaine dernière, on a complètement flashé sur la Eddie Topper, et il a mis dans la boîte également, avec la Eddie Topper, il a mis deux autres bières qu'il adore, deux autres, j'ai l'impression, Hazy IPA également. Eh bien, celle-ci, qu'on va découvrir cette semaine, nous vient de chez Foam Brewers. J'ai déjà entendu parler de cette brasserie. À Burlington, dans le Vermont. Ah ben oui. Donc, on va rester dans le Vermont cette semaine. C'est une brasserie qui a été fondée en 2016 par un groupe de passionnés. Ouais, t'imagines le contraire, des mecs qui n'ont rien à foutre. Mais bon, voilà. pourquoi pas, allez, ça, j'aime pas ça, mais... Ils ne boivent pas d'alcool, mais non, si. C'est une double IPA à 9%. Elle s'appelle Galaxy 500. Ouais. Galaxy 500. C'est marrant parce que Galaxy est écrit IE à la fin et non pas Y. Donc c'est en français. J'allais dire quelque chose justement sur Burlington. Oui. Je crois avoir lu que, notamment dans le centre-ville, ils avaient mis des panneaux en deux langues, c'est-à-dire bon, anglais et français. Ah bon? Ouais, c'est vraiment très, le Vermont, à mon avis, c'est très intéressant comme état. Est-ce que c'était pas de cette ville qui était le maire, le Bernie Sanders, c'était le maire de Burlington, je crois. Hein. Je crois bien, oui, je crois bien. Voilà, il y a des endroits comme ça. Oui, et il nous dit, Boris nous dit qu'il faut qu'on aille au Vermont. Ouais, ça, ben, on veut bien le croire. On veut bien le croire, oui. Donc c'est Galaxy 500, donc je viens de le dire, c'est une double IPA, de 9 degrés. Selon leur site, elle a des notes d'ananas et de papaye. Papaye! Voilà, et si tu regardes la canette qui est magnifique, l'étiquette a été dessinée par Emmanuel Charneau, qui est une artiste québécoise. D'accord, que nous saluons et qui nous écoute. Absolument. Voilà, Emmanuel, si tu nous écoutes. Est-ce que tu trouves magnifique. Pas que la canette est magnifique? Oui, j'aime bien. Ah oui. Vous verrez ça sur les réseaux, c'est très, très original, je trouve, très l'étiquette. Artistique. Très. Voilà. Il y a beaucoup de goût sur la canette, j'espère qu'il y aura beaucoup de goût à l'intérieur. Oui. Je le crois, je le crains, comme tu dis, parce que Boris n'allait pas nous envoyer une rougne. Pourquoi? Alors, ce qu'on va faire, pourquoi c'est pas que... pour Noël. Ce qu'on va faire, c'est que... Ah oui, en plus, on est le lendemain de Noël. Envoyez-moi vos aspirateurs. On enregistre le 26. Ah, je suis méchant, c'est un cadeau, c'est gentil, le Père Noël, il fait ce qu'il peut, quoi. Mais ouais. Dans ses moyens. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'ASMBR avec la bière entière dans un gros verre. Oui. Et après, on va écouter du jazz à papa et je vais la couper en deux. Mm-hmm. Comme on fait d'habitude quand on se. Quand on court. Quand on teste une bière. Oui, mais quand on se. Partage. Voilà, j'ai appris, c'est un mot très difficile. Ça, j'ai encore l'esprit brumé aujourd'hui. Ah, ben c'est un verbe du premier groupe. Hein, oui, bah, c'est sympa. Et voilà. Voilà. Alors, je vais faire l'ASMBR. Oui. Et puis, je vais les partager. D'accord. Ouh. Oh là là. D'accord. À l'accent du Vermont, quand même. Oh là là là. Ouh. Oh oui. Voilà, je crois que j'ai fait 8 doigts de mousse. C'est le meilleur. Bon, bah on va écouter du jazz à papa et on se retrouve après. On se retrouve après. Enfin, voilà, on vient d'écouter du jazz à papa et formidable. Là, on a la bière en main. Qu'est-ce qu'elle est belle. Très, très belle. Couleur ananas, d'ailleurs. Oui. Voilà. Mousse crémeuse, deux doigts, bon, prévisible. C'est, on dirait une petite pêche Melbourne. Enfin, c'est très joli. C'est très beau. C'est très beau. Oh, une couleur. C'est absolument magnifique. Magnifique, ouais. Petite pêche Melbourne. Bon, une mousse consistante, deux doigts... Crémeuse. Bon, ça laisse augurer de très bonnes choses. Oui. Le nez. Au nez. Ah oui, ananas, effectivement. Ananas et papaye. Ah oui. Ananas, clairement ananas, papaye. Ah oui, fruit de la passion. Fruit de la passion. Mmh. Vas-y, Francky, c'est bon. Il nous écoute lui aussi, donc c'est... Oh, un petit côté fumé.
Tu oui, c'est ce que alors ça, c'est ce que j'avais senti lorsque vous aviez enlevé l'opercule. Voilà. Quand j'enlève l'opercule. Dedans. Qu'elle fasse des bulles. C'est fort. Non, mais vraiment. C'est un peu podcast pour adultes, mais enfin, quand même. Oui, quand même, oui. Pas exagéré. Ah oui, il y a ce côté fumé et ananas en même ananas. Temps. Ananas. Moi, je sens vraiment l'ananas. Mouscouri. Ok. Qui nous écoute également. Vraiment beaucoup de gens qui nous écoutent. Je l'ai déjà faite, mais je n'ai pas mémoire. Mais oui, mais c'est normal, c'est normal. Clin d'œil à Voltaire. Mmh, bien sûr. Osons. Allez, c'est parti. Jean-François. Oh, qu'est-ce que ça a l'air délicieux, ça. Ouais. Oh là là. Ouh. Hey. Oh. Ah oui. Ah, une base maltée terrible. C'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que... Moi, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez face au micro. Non, jamais, monsieur. Ça me plairait, ça. Face à la presse. Non, j'ai jamais connu Gérard Depardieu. Écoute, on dirait une pêche Melba. Oui, c'est ça. C'est ce que je sentais. Et c'est exactement ce que j'espérais. C'est-à-dire que la mousse, tu vois, parce qu'on sentait quand même une acidité, quelque chose de très agrumé, ananas, mais pas sirop d'ananas, quand vraiment... On sentait quelque chose qui pouvait être vert. Et là, la mousse nous apporte le côté maltais, le côté laiteux, le côté tarte. Mmh. Un petit peu tarte, qu'on dit en anglais. En français, on dit tarte. Et en anglais, on dit tarte. Tarte et tarte ne sont pas la même chose. Ouais, tarte, c'est une tarte. Et tarte, c'est-à-dire que c'est presque acidulé. Voilà, c'est ce que je veux dire en plus. Et je veux dire les deux. D'accord. Ah oui. Et voilà, c'est-à-dire, je veux dire qu'il y a le côté tarte à la française, puis le côté acidulé. D'accord, vraiment, ok. Ouais. Et on dirait qu'il y a une espèce de presque d'effet milkshake presque. Oui, c'est ça. Mais qui est pas trop fort. Non. Parce que ça peut quand c'est trop fort, milkshake à pied, ça peut être un peu. Et là, ça vient équilibrer parce qu'on sent qu'il y a un côté acide derrière, tu vois, qui est très présent déjà au nez, acidulé. Et puis ça, à la mousse, vient un petit peu équilibrer. Amertume très franche. Ouais. Écoute, imagine ça dans le Vermont. Ça doit un petit peu contraster, boire ça en hiver, quand il y a de la neige, ça fait un peu bizarre, mais... C'est très bon. Bon, c'est totalement réussi. Oh là là. C'est totalement réussi. Qu'est-ce que c'est fruité. Ouais. Et c'est différent de celles qu'on a ici, des Gulf Coast IPA. Ouais, il y a moins le côté, on en a déjà parlé, le côté moins explosif, moins poivre blanc, menthe. Mais ça tient vraiment bien la barre, quoi. J'aime beaucoup. J'ai pas trop su ce que je voulais dire quand ça tient bien la barre, mais ça me plaisait. Non, c'est bien, c'est bien. On garde. Voilà. Bon, Est-ce que vous pouvez faire face au micro? Non, non, jamais face à la presse, mon monsieur. Voit bien que c'est pas vous qui faites le montage. Voilà. Bon, ça c'est très bon, Stéphane. Ça c'est un bon 18. 18. 18 direct. Solide. Alors bon, la dernière fois, évidemment, nous avions eu une bière totalement exceptionnelle. Celle-là ne révolutionne pas le style. Alors, je ne sais pas quel est le prix, mais si c'est un prix abordable, ça devrait être une bière une régulière presque dans ce style-là, tu vois. Je me verrais bien boire ça en été, ici, quelques fois par semaine. C'est un très bon équilibre entre le côté ananas, le côté acidité, acidulé, et la mousse crémeuse. Donc ça passe très très bien. Il n'y a rien d'extrêmement novateur, de surprenant, de quoi que ce soit. C'est solide. Voilà. C'est solide. Je regarde le prix pendant que tu parles. Elle n'est pas donnée. C'est une bière assez solide, quoi. Bon, 20 $ le pack de 4. Ouais. Quand même. Mmh. C'est plus cher que la Ghost. Ouais. Donc. Hein? Mais c'est très bon. Hein. Oui. Mais c'est moins complexe qu'une Ghost. C'est beaucoup moins complexe que ce que. Que les deux que nous avons bu il n'y a guère. C'est délicieux quand même. C'est solide, c'est... Oh, que c'est bon. Est-ce que tu crois que ça peut plaire à des gens qui n'aiment pas la bière? Non, absolument pas, c'est beaucoup trop amer. Ah ben voilà. Non, il y a une amertume qui est quand même qui est présente. Hein. Apparemment, dans le Vermont, c'est des gens qui aiment l'amertume. Au nez, j'aime bien ce nez de houblon. C'est de fumée, mais également de houblon vert un peu, tu vois. Oui. Bon, je ne vais pas dire qu'on retrouvait ce nez-là dans
par exemple, dans des bières de consommation courante comme la Fischer. Non, mais il y a un côté houblonné que j'aime beaucoup, que je sens le houblon, quoi, vraiment. Et ça me fait plaisir. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire une caractéristique qu'on retrouve dans des lagers. Donc c'est pas mal quand même. Non, c'est très bon. Parce que le houblon dans des ales, enfin ce type de houblon presque chou-fleurisant, disons, qui peut être considéré des fois comme un défaut. Non, là, je trouve. Non, là ça va très bien. Ça dépend. Si tu fais de la bière au chou-fleur, oui, c'est pas terrible. Alors Boris nous dit qu'il faut vraiment qu'on aille dans le Vermont, mais ça on le savait déjà. Oui. C'est, comment dirais-je, ça se confirme. Est-ce qu'on peut avoir la nationalité vermontoise? Ah, ça, je ne sais pas. Il y a Montpellier dans le Vermont. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Tu sais que c'est Montpellier. En France, ça ne prend qu'un aile. Oui. Et que dans le Vermont, ça prend deux ailes. Oui. Et donc, l'équipe de Montpellier, j'avais déjà expliqué cette anecdote, mais bon, on va la reclasser parce qu'elle n'a pas beaucoup d'anecdotes non plus sur le Vermont. C'est vrai. Et donc, les joueurs de Montpellier, du club de football, mais ils ont envoyé leur maillot à l'équipe du Vermont parce qu'ils leur ont dit c'est pour vous, les gars. Parce qu'il y avait une erreur. Il y avait une erreur. Il y avait deux ailes. Ouais, ouais, dans le lettrage. C'est rigolo. Alors, ouais, Boris nous dit que dans le Vermont, il y a une des brasseries qui a été deux ou trois meilleures brasseries du monde, qui s'appelle Hill Farmstead. Mm-hmm. Et ça, on aimerait bien goûter aussi. Oui. Donc bon, il faut aller dans le Vermont, Stéphane. Ouais, voilà. Puis ce genre d'état qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on est loin de la grosse ville. Culturellement, ça a l'air très différent de beaucoup d'autres états américains. Hein. Oui. Je sens ça. Voilà. C'est... Il y avait un sketch de SNL, Saturday Night Live, récemment. C'était une réunion des suprémacistes blancs aux États-Unis. Et le type qui dit, oui, eh bien, nous, on veut faire sécession avec les États-Unis, on veut un nouveau territoire où il n'y aura que des blancs, et dans des pick-up trucks, qui boivent du café. Et t'en as un qui lève la main qui dit, ouais, j'étais dans le Vermont il y a une semaine, et ben c'est ça, hein. Mais non, non, alors juste avec des blancs et avec des... Oui, bah oui, le Vermont, en fait. Continuer à faire la liste des trucs qu'il voulait. Toujours, lorsqu'on a des images, c'est Google, des choses comme ça, c'est toujours des paysages autonomes, tu vois, où tu as, tu as tout le... Ça a l'air magnifique. Mais c'est ça a l'air sublime. Ça a l'air sublime, oui. Mmh. Voilà. Bon, j'ai trouvé ça rigolo. Oui, c'est vrai. Mmh. Oui, un 18 très solide. Mmh. Vraiment, vraiment. Ce qui est très solide également, c'est le conseil de voyage, monsieur. Oui, aller au Vermont. Oui, 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 c'est vrai. Absolument. Peut-être pas en hiver, parce que bon, peut-être un peu de neige. Bon, il faut être habitué, quoi. Oui. J'imagine quand on habite au Québec, ça va, mais nous, on ça caillerait quand même. Ouais. N'oubliez pas les pneus neige. Oui. Ben, je vais vous parler d'un endroit où ça caille également, après le Sonal. Ça caille au Japon. Voilà, tout à fait. On s'en est en Japon qui nous écoute. Voilà. Et justement, un endroit dans lequel je suis allé. Allez, je vous explique. Donc, c'est ça, pas le Vermont. Non, c'est pas le Vermont. Donc, c'est pas le Japon. C'est pas le Japon non plus. Ah. Sonal. Eh bien, monsieur Stéphane, après ce Sonal, je vais vous amener dans le Minnesota. Oui. Il est interdit, il est illégal, sachiez-tu, de manger un hamburger le dimanche. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Oui, tout à fait d'accord. Même le reste de la semaine, vous pouvez vous en passer. Hein. Oui, mais le dimanche, c'est interdit. C'est normal. Alors, je crois bien que j'ai enfreint cette loi. Ah non. J'étais là-bas un dimanche et je crois bien que j'ai mangé un très bon, d'ailleurs, hamburger qui était hamburger cajun. Qui n'avait rien de cajun. Ah, à ce jour, je ne sais toujours pas ce qu'il y a de cajun, qu'il y avait de cajun dans ce hamburger. Comme ça. Il y avait je crois qu'il y avait genre du bacon, mais c'est tout, quoi. Enfin, il n'y avait rien de cajun, mais bon, c'est pas grave. Uh-huh. Et c'est marrant, c'est comme quand je suis allé dans un Burger King à Perpignan et il y avait un hamburger cajun également. Ah ben oui. Je me demande ce qu'il avait de cajun. Enfin bon, ça c'est le mot magique, ça. Oui, c'est les mots magiques comme ça. Ouais, bon, bref. Alors, je crois que j'ai enfreint cette loi, monsieur Stéphane. Je suis un hors-la-loi. Et personne ne t'a arrêté. Écoute, ce qui m'a le plus surpris en lisant ça, c'est qu'ils me l'aient servi un dimanche. Oui. Le hamburger, si c'est interdit. Ils ne connaissent même pas les lois de leur propre état. C'est bon.
C'est n'importe quoi. Donc, je crois que j'étais dans l'illégalité. Oui, qui est un des États les moins peuplés des États-Unis, le Montana. Hein. Non, c'est le Minnesota. Le Minnesota, pardon. Non, non, excusez-moi. C'est pas loin. C'est pareil. Tout ça, c'est le Nord-Ouest. Massachusetts, tout ça. Tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil. Le Massachusetts. Voilà, c'est pareil. Ce qui est rigolo, c'est que j'étais hors la loi avec mon hamburger, mais l'autre jour, avec mon groupe, on a joué ici pour le département de la police de la paroisse Terrebonne, monsieur. Ça te calme, là. Oui. Et alors, on était avec mon batteur, mon pote dehors, on prenait un peu l'air, et puis il y a des gens qui rentraient, et puis il y a un type qui arrive, un afro-américain bien habillé, avec un col roulé et tout, un peu un type genre à soixantaine et tout, genre le gars, et je sais pas pourquoi, ça m'a pris, je lui ai dit, est-ce que vous êtes musicien ? Est-ce que vous jouez du saxophone? Il avait, pour moi, dans mon stéréotype, c'était... Tu l'as stigmatisé! Mais c'était le jazzman cool. Tu l'as stigmatisé. Tu sais, dans les films où tu vois des jazzmen cool. Tu l'as stigmatisé. Et le type me dit, ouais, à une époque, j'ai joué de la trompette, mais non. Et après, il discutait avec mon batteur et tout, et le type s'en va, et il dit, ouais, tu sais, lui, c'est le conseiller municipal. Je dis, merde. Bon, faut que j'arrête de stigmatiser les gens. Non, ben oui. Mais là... écoute, on aurait dit qu'il était dans le groupe de Miles Davis, quoi. C'était le gars, il avait la coolitude, quoi. Oui, tu sais, avec le col roulé, tu sais les Afro-Américains d'un certain âge avec les cols roulés. Tu l'as stigmatisé. Ah, écoute, il avait l'air d'être un jazzman, la coolitude du jazzman. Bon. Attends, moi, j'ai vu un japonais la dernière fois, j'ai dit, toi qui es bon en maths. Stigmatisé. Tu veux pas me tirer sur mon pouce-pouce? Attends, non. Mais ça va pas. Stigmatisé. Mais binous, mais ça ne va pas. Une fois, j'avais vu un gars comme ça, c'était les descentes à ski, les Jeux Olympiques. C'est un Polonais, descentes à ski. Descentes à ski, qu'on salue. Et puis, il y a l'intervieweur qui va vers, je sais plus si c'était un Français ou un Italien, fait, alors, toi, vous, les Latins, qui êtes chauds... D'accord, ok. D'accord, ok. Tu as autre chose dans la vie Le gars était le cadet, mais bon, d'accord. Ouais, voilà. Alors, sûrement. Ouais, c'était un truc comme ça, tu vois. C'était. Enfin, voilà. Bon, vous, les Latins, vous qui êtes chaud, là. Ça se trouve, le gars était de Lille, tu sais. Je sais plus s'il parle. Je crois qu'il parlait en français. Je sais plus si c'est en français ou en italien, mais bon, voilà. Quoi. C'était bon, ouais, vous, les Latins, là, c'est bon. Là. Voilà, vous avez quand même le sang chaud, là. Et ton sombrero, il est où, là? Et ton béret basque. Voilà. Et donc, dans cette soirée, donc on joue et tout, et puis on fait une pause, et mon batteur discute avec un type qui était bien habillé. C'était une soirée de Noël, tu sais, soirée de Noël. Ah, il n'avait pas son pull ugly, alors. Alors, non. Ah non, ils étaient tous bien habillés. Ah, mais alors, on discute avec un autre type, tu vois, un type, voilà, bien habillé, tout machin, et on discute et tout. Et puis, au bout d'un moment, on s'en va. Alors, mon pote s'en va, puis je continue à discuter avec le gars et tout, et on discute et tout machin. Hein. Et puis, bon, c'est l'heure d'aller jouer avec mon groupe. Et donc, je pars et je demande à mon batteur, je dis, c'était qui ce type? Ben, il dit, c'est le shérif. Voilà. Le shérif, c'est-à-dire le boss. Le boss du département des flics, quoi. Voilà, tu as dit ta voiture, la plaque minéralogique. Ben justement, voilà, je t'en parlerai hors micro, mais c'est rigolo. Quand j'étais gamin, que je regardais Shérif et moi peur, je m'imaginais pas qu'un jour je discuterais avec le shérif à tu et à toi. Eh oui, ça c'est les États-Unis, oui. Absolument. Monsieur Stéphane, ce qu'est les États-Unis également, c'est nos coups de cœur. Oui. Alors, est-ce que vous avez un coup de cœur? Oui, j'ai finalement trouvé un coup de cœur. Oui, parce que tu m'as écrit, j'ai pas de coup de cœur, j'ai rien. Bon, il y avait un podcast qui, bon... Toi, t'écoutes les podcasts? Non, mais c'est sur YouTube en plus. Ah bon, ça va, ouf, tu me rassures. Alors, lui, bon, le gars, il interroge un petit peu tout le monde, des personnalités connues en France, des politiques, une actrice porno. Quoi? Non, mais c'est pas ça mon coup de cœur. L'actrice porno, moi j'avais déjà... T'es sûr que c'est pas ça ton coup de cœur? Non, parce que moi j'avais déjà la question. Alors sur les tournages, vous êtes plus bouteille ou canette? Voilà, quoi? Par exemple, ça aurait été la bonne question, tu vois, poser. Donc bon, voilà. Bon, mais heureusement, ce truc auquel je suis abonné depuis des années, Copa 90, on dira ça en français. Copa 90. Copa 90 Stories. C'est un gars qui parle anglais avec un fort accent espagnol. C'est sur le football. Oh non. Mais si. Et là, ça se passe à Osasuna, à Pamplona. À Pamplona. Et là, le gars, c'est vraiment très intéressant. Bon, déjà, il te fait un descriptif de ce qu'est la Navarre, la haute Navarre qui se sent très basque, un peu même berceau du Pays basque. D'accord. Tu vois. Et ils ont une végétation, les Pyrénées. Mmh. Et puis le sud de la Navarre, où ils se sentent plus espagnols. Voilà. Et où là, c'est carrément un désert.
Ah bon? Mais un dessert spaghetti western et compagnie. Ah ouais. Quoi. Donc, ils te montraient des trucs, ces décors de western, avec des mecs qui vendent des bottes, des trucs comme ça. Je me suis dit, mais il faudrait que j'aille là-bas. Ouh, oui, il n'y a pas que le Vermont dans lequel il faut que j'aille. C'est un des rares déserts en Europe. Et c'est là-haut, quoi, en Navarre. Quoi, wow. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est magnifique. Bon, tous sont derrière le même club, Osasuna. Et c'était très intéressant parce que Osasuna, bon, ils ont réussi à monter en première division espagnole. Un jour, ils ont failli descendre en troisième division espagnole. Et voilà. Et là, le truc, c'était la story, c'était qu'ils arrivent en finale face au Real. Face au Real. Bon, tu peux imaginer que le Real, ils ont un budget qui est. Oui. Voilà, c'est oui. Le Real, bon, c'est ils en étaient alors. L'Oréal, tu parles. Ouais, L'Oréal, tu vois. Bon, le Real a gagné. Bon, enfin, ça, 2-1. Pour Pampelon, c'était la deuxième fois qu'ils arrivaient en finale de la Coupe du Roi, la Coupe des Reyes. Oh. Les autres, je sais plus, c'était la 20e fois qu'il a gagné. Donc, bon, c'était pas tout à fait la même chose. Et c'était pour revenir sur ce football de région. Parce que là, je sais pas si tu as vu l'Europe que je salue. Oui. L'Europe, c'est que là, bon, il y a des clubs, Barcelone et le Real, qui veulent faire une Super League, un peu à l'américaine, tu vois. Ah oui. Tu pouvais jouer contre eux, d'ailleurs, ça serait bien, tu vois, ils seraient contents, comme ça, ils gagneraient peut-être la Coupe chaque année. Et donc, les clubs, beaucoup de clubs, dont le PSG, plein de clubs, les clubs anglais ont dit non, c'est bon, on va continuer suivant notre formule actuelle qui est quand même pas mal intéressée, parce que quand on s'intéresse au football, on s'aperçoit, par exemple, il y a un article qui a fait le tour de la planète, l'Ajax Amsterdam éliminé par une équipe de 4e division des Pays-Bas. Tu vois, c'est ça qui excite un petit peu, c'est la première fois que ça leur arrive. Alors l'Ajax, ils ont remboursé leurs spectateurs, ils ont dit bon, on vous rembourse, parce que ça leur était jamais arrivé, tu vois. Ils ont remboursé leurs spectateurs, ils ont dit bon, on s'excuse. Tu sais que les Saints, ils sont en train de se faire huer par leurs spectateurs aussi. Ouais, ça, c'est pas sympa. Bah écoute, ils sont tellement mauvais. Eh ben oui, mais à une époque, tu sais, les gens venaient avec un sac plastique sur la tête. Voilà. Un sac en papier. Un sac à papier, ouais, bah oui. Les Saints. Ouais. Oui, ben voilà. On y arrive, hein, on y revient. Hein. Et là, bon, l'Ajax, ils ont commencé à faire une saison très très mauvaise dans leur championnat national. Puis là, bon, ils sont en train de remonter, mais d'habitude, ils écrasent le championnat et ça passe pas 5 ans sans. Si c'est pas eux, c'est Feyenoord. Si c'est pas Feyenoord, c'est le PSV Eindhoven. Stéphane, j'ai les chiffres, on vient de perdre 18 auditeurs. C'est pas grave. Et là, donc, ils ont été éliminés par une équipe de 4e division. Mais l'Europe, tu leur présentes un projet, tu sais, alors les fédérations internationales. Fédération européenne de football a dit non, ce projet, c'est pas la peine. Mais l'Europe, ouais, c'est sympa. C'est une bonne idée de laisser, ouais, mettre les clubs les plus riches entre eux. Ben oui, au nom de la liberté du marché, on est au nom de. Ouais, c'est une bonne idée. Donc moi, je propose qu'on fasse une compétition avec 4 équipes. Tu vois, le Real, le Barça, un club anglais et le Bayern. Voilà, c'est tout. Puis voilà, puis le reste, on s'en fout, quoi. Donc, c'était vraiment. J'aime beaucoup les reportages que fait ce monsieur. Il va un peu partout sur la planète. Et c'est pour montrer que, ben oui, il y a des ancrages régionaux. Là, par exemple, ben, j'ai découvert, grâce à lui, la Navarre. Parce que, bon, à part la Navarre, je connaissais quoi, la Navarre? Oui. Je savais même pas qu'ils étaient bascophiles, tu vois. Je voyais même pas, je croyais qu'au contraire, il y avait une grande séparation entre le Pays Basque et la Navarre. Ben, pas du tout, dans le Nord. Voilà, donc plein de choses comme ça que... Et c'est pas la première fois que je me fais avoir, par ce... Bon, il fait... Ça demande quand même pas mal d'argent, donc il doit faire un reportage une fois chaque mois et demi ou deux mois, parce que chaque fois, tu vois, il y a une immersion... ça lui coûte de l'argent, quoi. Ouais, et il fait un super boulot. Et là, bon, bah, il faut passer assez aisément de l'anglais à l'espagnol, parce que des fois, bon... C'est pas évident, ça. Non, parce que lui-même a déjà un accent hispanique très fort. Et si le sujet est à l'espagnol, bon, il y a les sous-titres, il y a tout ça, mais c'est pas évident. Voilà, donc... Très bien. J'ai trouvé mon coup de cœur, que j'ai regardé juste avant que vous n'arriviez à ça. Oh, mais dis donc, mais c'est tout frais. Ah oui. Ça me fait penser à Ben Blake, notre nouveau copain Ben Blake. J'ai vraiment hâte de voir son reportage sur son trip aux États-Unis, dont on fait partie. J'espère qu'on sera dedans. Mon coup de cœur, monsieur, on y va? Oui. Vous l'avez écouté? J'ai écouté, j'ai préféré l'album. Que le morceau lui-même. Okay. Parce que le morceau lui-même, j'ai dit ouais, c'est bien, mais ça manquait un petit peu de batterie et de basse. Et quand tu m'as. Est-ce que je t'ai envoyé le bon morceau? Ouais, tu m'as envoyé un morceau, c'était gentiment folk, un peu. Ouais, bah très. J'ai trouvé qu'il y avait quand même du. Ouais, mais j'ai préféré quand je me suis peut-être trompé de morceau. J'ai préféré quand j'ai cliqué sur le truc et tu m'as dit l'album entier. Oui, je t'ai envoyé l'album entier. Là, j'ai préféré parce que j'ai entendu la pédale style, j'ai entendu, des choses un peu plus. C'est Pony Bradshaw, monsieur. Voilà. Pony Bradshaw, qui est un auteur, compositeur, interprète. Footballeur. Qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Footballeur, réalisateur, Osasuna, non?
Ah ouais, là, qui habite en Géorgie du Nord, monsieur. Ah, comme tout, Géorgie du Nord, en Géorgie. Alors, il a commencé... En Géorgie. Oui, en Géorgie, mais dans le nord de la Géorgie. Voilà, pas en Géorgie du Nord. Il habite en Géorgie, mais dans le nord. Voilà, en Ossétie du Nord, mais là, c'est un autre pays. Voilà. Alors, il a commencé sur le tard, monsieur, dans la musique. Il a commencé à apprendre à jouer de la guitare à 25 ans, ce qui est assez tard. Ouais. Bon, il a toujours voulu écrire ses propres textes. Il a commencé, en fait, à apprendre à jouer de la guitare, et puis s'est vite aperçu qu'il n'arrivait pas à chanter des covers, des reprises d'autres groupes, il n'y arrivait pas. Mmh. C'est pas son truc. Il essayait de chanter les chansons d'autres groupes, d'autres chanteurs. Georges Brassens, par exemple. Il n'y est pas arrivé. Guy Marchand, Donc il s'est dit, je vais faire mes propres chansons parce que j'arrive pas à chanter les chansons des autres. Mais voilà. Je trouve ça assez rigolo. Il est né par ici. Alors c'est pas marqué exactement où, mais côte du golfe du Mexique. Mmh. Et il a grandi dans l'est du Texas, ce qui est à côté de chez nous. Mmh. Donc c'est un gars local, quoi. Oui. C'est un régional de l'étape. Son père, ce qui était rigolo, était occasionnellement un ETA. Monsieur, est-ce que vous savez ce que c'est un ETA? C'est justement quelqu'un qui fait les chansons des autres. C'est un Elvis Tribute Artist. Ah, carrément, oui. C'est un imitateur d'Elvis, son père. Ah, ben, c'est rigolo. Mais tu sais, comment non? Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Ben, il fait Elvis. Bon, il faisait ça le week-end, apparemment. Ouais, hein, tu sais, comme ça, éventuellement. Même pas professionnel. Voilà. Dans une interview que j'ai lue en diagonale, un peu comme toi, sur ton article de tout à l'heure, sur Bucky's, sur Rolling Stone Magazine, le décrit en train de boire une Miller Lite. Ouais. Oh, bon. Ouais, c'est gentil. Il y a pire. Oui. Bon, il y a pire que Miller Lite. Oui. Voilà. Bon. Là, ce que vous entendez en fond sonore, c'est un extrait de son troisième album qui s'appelle North... Oui, bon, ça va. Oui, bon, ça suffit. Troisième, oui, non, mais si on boit des bières light, c'est Miller Light, c'est quand même mieux. Oui, c'est vrai. Oui, bon, d'accord. C'est comme sa musique, quoi. C'est, voilà, dedans. Mais je ne vous permets pas. Oui, c'est mais c'est bon, ça suffit. Mm-hmm. Donc, ce que vous entendez, c'est un extrait de son troisième album, North Georgia Rounder. Mm-hmm. Et c'est la chanson titre. Je trouve qu'il y a une espèce de groove et de marche en avant que j'aime beaucoup. Je vais parler de l'album entier. Des arrangements magnifiques, des belles chansons. Ça fait du bien aux oreilles. Mm-hmm. Il y a des belles guitares. Où l'as-tu découvert? Alors, j'ai découvert ça sur Reddit, monsieur. Reddit, ouais, je me suis mis à Reddit aussi. Ah, toi aussi? Ouais. M'envoie des trucs, je m'en fous parfois, mais bon. Oui, non, mais ça, oui, il faut élaguer. Hein. Ouais. Quand tu vois des trucs qui te plaisent pas, il faut que tu ailles sur la communauté, tu mets masqué. Enfin bon, oui, ça demande un petit peu de travail. Oui, moi, il m'envoie des trucs sympas. Wanda Jackson, Carl Perkins, des trucs comme ça. Oui, bon, ça va. Là, ouais, c'était sur Country Back, Music, ouais. Je crois. C'était sur le subreddit de Country. Et parce que lui, j'ai trouvé ça bizarre, mais il ne passe pas encore sur Outlaw Country. Normal. Bon, donc je sais pas pourquoi. Donc c'est quelqu'un qui a mis mon album préféré de cette année, ouais. C'est Pony Bradshaw. Et j'ai dit, tiens, il faut que j'aille voir quand même. Mm-hmm. Et ben écoute, j'adore. Je trouve que ça fait du bien aux oreilles. Bien sûr. Voilà, c'est mon coup de cœur Pony Bradshaw. Pony, voilà. P-O-N-E-Y, comme un poney. Bradshaw, B-R-A-D-S-H-A-W. Voilà, comme un Bradshaw. Comme un bras de chaud. Voilà, vous voyez, pareil. C'est pareil. Il y a les bras de froid et les bras de chaud. Voilà. Également, ce qu'il y a, c'est le 100p, monsieur. Oui, quand même. Ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Oui. Ça fait, comme qui dirait, une semaine. Comment ça s'est passé à Noël, le 100p, d'ailleurs? Magnifique, comme d'habitude, sur la plage. Évidemment. Parce qu'ils sont... Alors, ça dépend des années. Des fois, ils sont dans l'hémisphère sud. Mm-hmm. Des fois, ils sont dans l'hémisphère nord à Noël. Ouais. Donc, ça dépend. Oui, oui, mais ça dépend. Ça dépend des années. Ils font le Noël à la plage ou à la montagne. Le seul état mobile du monde. Ben, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils changent d'année en année. C'est bien. Mm-hmm. Il y a beaucoup de diversité au Sampé. Eh bien, on y va. Oui. C'est parti. Gérard, nos sportifs sont à l'honneur en ce début d'année. On peut dire qu'ils ont fait le plein de médailles. Un plein de médailles. On saluera d'abord Hirato Mayoko. Ah oui. Il n'en est pas à son coup d'essai, mais quand même ramené en Mika Lebois une médaille d'or. C'est la troisième fois que ça arrive. C'est un champion. On comptait un petit peu sur lui.
Beaucoup plus surprenant, la médaille d'argent en mécanoplastique des frères troglodytes Gérard et Pierre, Gérard et Pierre Darvanin, et également ensuite en belote comptoir. On appelle communément l'enculette, je vous le rappelle. Oui, si vous voulez. Une médaille de bronze tout à fait surprenante, ah oui. Notamment aux dépens du Marseillais Paul Durand. On ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas du tout. Déjà, pour avoir qualifié au demi-finale, c'était totalement exceptionnel, mais là, une médaille de bronze. Ça commence très bien pour nos sportifs du San Pellegrino. Ça commence très fort. Bravo. Bien Stéphane, maintenant qu'on est au courant de ce qui se passe au Sampé, on passe à la pub. Oui, s'il vous plaît. C'est parti. Disco Radio Action. Disco Radio Action. Et voilà, Radio Cagole, la radio qui rigole. La radio qui rigole. On rigole quand même. Hein. Oui, Jean-Michel, mais on rigole. Hein. Aujourd'hui, on est un petit peu sérieux car oui. Il s'agit de la finale. Attention. La finale, notre grand Radio Crochet. Ah, vous le savez, ça fait un moment qu'on vous en parle. Avec deux artistes majuscules que vous pouvez bien évidemment élire comme étant la révélation de l'année 2023-2024. Oui. Vous allez pour cela sur Binous USA, bien évidemment. Mais sur podcut.studio. Podcut.studio. Également sur patreon.com, sache podcut. 3615, évidemment. 3615 Binous. Binous. 3615 Cagole. Cagole également. Bon, on peut dire, on ne va pas non plus mentir à nos auditeurs, que les votes ont déjà été ouverts du côté de Roquebrune sur Argent à cause du décalage horaire. Hein. Oui, à Verfeuille, il reste une heure ou deux, il paraît. Bon, vous dépêchez-vous. Vous avez jusqu'à mercredi soir pour voter pour un de ces deux artistes. Alors, quel est le premier, Jamy? Alors, nous allons écouter le premier. Le premier, c'est vraiment par tirage au sort. Hein. Bon, c'est Michael Shepard. Oui, on écoute. Il jouait du pipo bimbo, c'est peut-être un détail pas bon. Le canisque, c'est un poivre, ça veut dire qu'il était heureux d'être là avec nous. Il buvait pas que de l'eau, il était accro à l'accro, pas le genre bobo Nintendo. Ça veut dire qu'il était heureux d'être là, vous comprenez. Ah, c'était Michael Shepard, si vous voulez voter pour lui, tapez le 1. Voilà, et maintenant, le second artiste, Pascal Obistrot. Je me suis trompé tout bête. J'ai cassé toute la vaisselle. Je confonds le poivre et le sel. Les voisins coupent l'eau. Je vais au bistrot. Alors voilà, à vous de voter. Numéro 1 pour Michael Shepard. Numéro 2 pour Pascal Obistrot. Voilà, nous on se doit de rester impartiaux. Ah, complètement, on ne peut pas vous dire. Et en tout cas, le concours est organisé sous le regard acéré de la justice française. Bien et sûr. Notamment de notre huissier de justice, maître Pierre Laval de Montsouris. Absolument. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le gagnant. Pour le regagnant. Disco Radio Action. Disco Radio Action. Voilà, monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Émission dans laquelle on a bu une très bonne bière du Vermont. Bien. On a une très bonne bière, solide. Oui. Vraiment. Comme on aime. Oui, on comprend pourquoi elle fait partie des bières préférées de notre ami Boris, qui nous a offert cette bière, encore une fois. C'est le moment de l'émission dans laquelle j'aime faire le retour du retour. Cette semaine, le retour du retour nous vient de Jean B, @leclanto sur Twitter. Oui. Et qui nous a posté, il a partagé avec nos auditeurs, il nous a mis en @binoususa. Je vais déguster une photo avec trois bières. Il a la Ghost in the Machine, absolument magnifique. Oui. Bravo, on est content pour toi. La deuxième, c'est la Animals in the Machine de chez Tripping Animals, qui est en Floride, je crois. Et c'est une collaboration avec Parrish. Et donc, j'imagine qu'ils auront un petit peu filé la recette de la Ghost. Oui, puis la canette aussi, c'est assez amusant. Bah oui, c'est-à-dire que c'est une tête de vache. Elle rappelle un petit peu la Ghost. Bah voilà. Complètement. Très bien. Mais en versant Tripping Animals. Oui. Et la troisième, je ne sais pas ce que c'est. Ah, d'accord. Et donc, c'est son panel de dégustation. Merci. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Jean B, @leclanto. Et bonne dégustation. D'accord, oui. Monsieur Stéphane, si vous voulez faire comme Jean B, @leclanto, vous pouvez nous suivre, réagir sur nos publications sur Twitter, Facebook, Instagram, Threads et Blue Sky. Dites-moi, ça fait beaucoup. Oui,
quand même. Ça fait beaucoup. Et si vous voulez également nous envoyer un email, ça se passe binoususa@gmail.com. On reçoit des emails absolument adorables assez souvent. Oui. Et on vous remercie. Et également, vous pouvez nous envoyer des vidéos. On aime beaucoup ça. Vous prenez votre smartphone et vous faites une petite vidéo de moins d'une minute parce que sinon après c'est trop lourd. Au niveau de, comment dirais-je, du poids. Du poids, bah absolument. Ouais, c'est trop lourd au niveau du poids. Voilà. D'accord. Et vous pouvez nous envoyer ça sur Facebook, par exemple, message privé. Voilà. Une petite vidéo pour nous, je ne sais pas, pour qu'on voit votre face et vous nous dites un petit salut, puis nous, on vous fera pareil. N'envoyez pas d'aspirateur, parce que là, je suis bon. Là, voilà, je suis c'est bon. N'envoyez pas d'aspirateur à Stéphane. Même un truc rétro à poche, style RDA, non. Ça peut être joli, mais non. Non, c'est bon. Il est complet, là. Voilà, c'est bon. Monsieur Stéphane, la semaine prochaine, je crois qu'on va finir la boîte magique. La boîte à Boris. Mm-hmm. Absolument. On va faire la dernière bière de Boris. Je ne sais pas encore d'où elle nous vient et ce que c'est, mais vous le découvrirez avec nous la semaine prochaine. Oui. Monsieur Stéphane, entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Ben, déjà, on va remercier Papa Noël. Oui, mais on est en janvier, Stéphane. Mais on va quand même le remercier. Oui, c'est vrai. Mais bonne année, au fait. Bonne année, c'est vrai. Oui. Bonne année. Oui, bonne année, parce qu'on avait l'année dernière, la meilleure bière de l'année dernière, c'était la Ghost Prime. Et pour l'instant, la meilleure bière de l'année, c'est la Heady Topper. Est-ce qu'on va avoir une meilleure bière cette année? Question. Peut-être pas exagéré non plus. Ah, mais on sait pas, ça. Je sais pas si je mérite d'avoir une meilleure bière. En janvier, peut-être qu'on a déjà fait la meilleure bière. Oui, c'est un peu dommage. Ça, c'est embêtant, ça. C'est un peu dommage. On va bien voir. On vous lance le défi, chers auditeurs, auditrices. Voilà. Si vous avez une bière dont vous pensez qu'elle peut détrôner la Heady Topper, eh bien, vous nous envoyez un message et on vous explique comment nous envoyer ça. On aspire à boire des bières de meilleure qualité. Tout à fait. On aspire. On est un podcast aspirant également. Absolument. Au passage, quand vous nous envoyez une bière, l'épisode dans lequel on la déguste, vous l'aurez dans votre boîte email en exclusivité mondiale. J'ai envoyé hier à Boris, dès qu'il avait été monté et masterisé. Et c'est à Boris ? Non, l'épisode. Pardon, si vous excusez-moi. Me laissez finir. Ah, excusez-moi. Parce que l'épisode dans lequel on a dégusté la Heady Topper, je lui ai envoyé en exclusivité mondiale. Il a pu l'écouter avant d'accord, tout le monde. D'accord, voilà. Donc on s'engage, si vous nous envoyez une bière, on vous envoie l'épisode dès qu'il est monté en avant-première. Et un aspirateur aussi. Tout à fait. Voilà. T'es omnibulé par les aspirateurs. Oui, oui, voilà. Et omnibulé. Omnibulé, voilà. Les deux. Voilà. Monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, écoutez, on va remercier nos auditeurs, déjà de nous écouter. C'est vrai. De nous envoyer des bières. Oui. De ne pas m'envoyer l'aspirateur. C'est vrai. Voilà, ça c'est bien. Nous écouter dans le train, dans le métro. Voilà, sous l'eau. En faisant la vaisselle. Sous l'eau, dis donc, on peut parler pour vous. On ne sait jamais. Je ne sais pas ce que vous faites à vélo, où que vous soyez. Je crois qu'il va falloir recommencer à regarder un petit peu les endroits dans lesquels on nous écoute. Il y a des pays un petit peu surprenants, donc on va se remettre là-dessus. Mais oui, c'est en fonction du San Pellegrino. Oui, voilà, c'est en fonction vrai. De limitrophes. Voilà, des côtes que nous abordons. Absolument, les côtes de port. Monsieur Stéphane, un épisode assez court. Oui. Donc, je ne sais pas, on peut continuer à parler ou on peut laisser... Oui, n'hésitez pas à voter. Hein, oui, absolument, oui, non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, je suis content que tu en parles. Mm-hmm. Vous pouvez voter pour votre préféré, si vous préférez Michael Shepard ou Pascal Obispo. Mm-hmm. Vous votez, bien sûr, comme les gars de Radio Cagole vous ont dit, sur Twitter, Facebook, Instagram, Threads ou Blue Sky, où vous nous envoyez des emails. Et peut-être que... Allez, tiens. On tirera au sort une réponse et on enverra, allez, deux sous-boc et deux autocollants Binous USA. Dédicacés par le champion. Ah, pourquoi pas? Et voilà, par Michael Shepard ou par, ou par Pascal Obispo. Et pourquoi pas? Et voilà. Allez, donc on s'engage. Si vous nous envoyez, si vous votez un pour Michael Shepard ou deux pour Pascal Obispo, eh bien, on tirera au sort une de ces réponses et vous gagnerez eh bien, des goodies Binous. Allez, voilà. Pourquoi pas? Mais bien sûr. Allez, c'est parti. Entre-temps, qu'est-ce qu'on se dit? Binous. We should watch it. I think that one's full.
La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, Binous USA, épisode 276, c'est Patrice. Oui, c'est je reprends, je fais très mal fait ça. Alors, Monsieur Stéphane, après ce sonal, dont nous avons, je ne sais pas, je me lance dans des phrases, moi. Bronze. Ça commence très bien pour nos sportifs du San Pellegrino. Ça commence très fort. Bravo. Et voilà, radio cagole, la radio qui rigole. Qui rigole, mais là aujourd'hui c'est quand même. On est sérieux là. Il faut être très sérieux parce que. Parce qu'il paraît qu'on parle à tous en même temps. Non, c'est pas vrai. On parle à la fois, c'est pas vrai. Non, déjà, c'est une. Et voilà, radio cagole, la radio qui rigole. Ouais, on rigole. Mais là aujourd'hui, on est un petit peu sérieux parce que. Ah oui, attention. C'est la finale. Moi, ça fait un moment que vous attendez. C'est la finale entre grands radio crochets. Bien sûr. C'est pour gagner, pour être sur la tournée des plages cet hiver. Attends,